Bon alors, quand est-ce qu'on y fout le feu à cet endroit de merde là? Bah quand il arrêtera de pleuvoir. Construis un briquet. Tu veux que je crame tout ici là? Moi j'ai pas d'eau sur moi. Si je fais un clic droit avec mon briquet, c'est terminado. Bah il pleut, ça va forcément s'éteindre. Bah attends, on a qu'à essayer. J'ai la vague impression qu'on va y voir beaucoup plus clair dans quelques instants. Quand ce sera les feuilles du haut, ça va forcément s'arrêter. A few moments later. Oh merde. Bon bah je pense qu'on a on a détruit l'île en fait. Oh, mais ça va se propager là. Oui, c'est terminé. Nous avons détruit. Non, ça devrait aller. Ce monde. Ça devrait aller. Regarde, ça se propage pas trop. It's fine. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, puis après j'ai regardé en bas à gauche de mon écran. Mec, attends, il y avait un creeper dans la maison. Quoi? T'as laissé la porte ouverte? Mais pas du tout, il est monté dans les grottes. Il y a de quoi? On a une faille, il est monté depuis les grottes. Mais il a pas explosé la maison, pas les coffres. Sûrement. Oh, il y a un coffre qui a explosé, mais pas les autres. Non mais tu vas être très content, en fait les choses sont très bien faites. Parce que figure-toi qu'en fait c'est mon coffre personnel qui a explosé, mais tout autour rien n'a explosé. Bah je compte, mec, c'est bien fait non, le jeu? Attends, laisse-moi voir ça de mes propres yeux. C'est impossible. Tu vois? Oh. Genre tu vois, ce coffre là il a pété, mais genre ceux-là non. Mais c'est vachement bien. Ah non, mais c'est un scandale. Hein. Ce jeu, c'est un scandale. Je vois même pas comment c'est possible. Ah, bon, c'est bon, il y a tout, mes diamants, la pioche. J'en ai marre. C'est génial. Marre. Attends, mais t'as raison, où est la bouffe? Ah, c'est ça, en fait, tu vois. Et là, je suis à deux poulets. Et en fait, je vais tout simplement mourir, en fait. On dirait une monnaie, vraiment une monnaie ancienne. J'ai deux poulets. J'ai deux gros poulets dans ma besace, mais c'est tout. Petite dédicace à tous les gens de la première VOD Minecraft qui m'insultaient. Oh, mec, attends, mais c'était incroyable le nombre de gens qui étaient vraiment premier degré, énervés. Ouais. Je me suis dit, mais... Ouais, bah en fait, je vous kiffe. Les gens, ils ont vu que je savais pas faire un atelier, que je me souvenais plus du craft après 7 ans. Du coup, ils ont littéralement pété un peu. Mais moi, je l'ai même vu, il y a quelqu'un qui disait, ouais, ça fait quand même 4 ans que c'est pas jeu. Il y a un qui dit, c'est comme le vélo, même moi, après 4 ans, je saurais absolument tout faire. Genre, bah non. Non, mais attends, tu me dis que le gars, il a des diplômes, mais en fait, il sait pas faire un atelier sur Minecraft, c'est n'importe quoi. Et mec, c'est beau, hein. C'est beau de ouf, hein. Je suis grave content. Putain, là, par contre, mais les images qu'on vous propose. Alors certes, on ne sait pas jouer, mais regardez les images. Ah ouais, F5. Oh, c'est tellement beaucoup mieux avec F5, vous êtes des pros de Minecraft. F5. Oh, oh là, on dirait qu'on est super proche en plus sur le bateau. Cinematic trailer. Je tiens les hanches pour pas tomber. Parce que moi, à la base, j'avais dit, je voulais construire, voilà, à l'intérieur de ces toits de maison, ouais. Attends, c'est cette semi-montagne qu'il faudrait peut-être même reconstruire un peu. Ouais. Parce qu'elle est vraiment pas belle. Ah, t'as pas de... Voilà, on a fait une belle entrée à la maison du coup. Putain, mais quel fils de pute. Je sais pas trop où je vais en fait. Hein. Ok. Bah vas-y, hein. On verra. Non mais je fais confiance à mon instinct d'abido. Ah bah c'est pareil pour les montagnes. C'est... Pour l'instant, tout le monde croit que je fais de la merde, alors que quand ils verront la montagne finale, ils vont se dire, waouh, putain, les mecs, on dirait que ça a été fait par le jeu. C'est victime là. C'est notre 0 sur 20 ma montagne. Je la gosse. Vous avez jamais fait une montagne de votre vie et vous osez parler là. Vous la racontez. Ah, j'aime plus la montagne. Tu sais, à force de regarder ma montagne, elle commence à me paraître bizarre. Je reste convaincu que ce serait plutôt le travail d'abonnés de faire ce genre mais de moi aussi, moi aussi. De faire des montagnes, tu moi, vois. Moi, je trouve plus en architecte qui dit quoi faire aux ouvriers. Ouais, je trouve ça dénué de sens de donner ça à un créateur de contenu. Alors que vous, là, vous faites rien en plus, vous êtes pas occupé. Ouais, vous êtes totalement à faire. Faire des montagnes. Vous pourriez venir, non? Vous branlez la nouille, là, super les vacances d'été. Et après, il va falloir, mec, transférer tout ce qu'on a de l'ancienne maison à la nouvelle. Ouais, ça, je propose qu'on en parle pas encore. Tiens, viens dormir. Oh. Putain, il m'emmerde, hein. Il veut me faire chier. Eh, j'ai du boulot, hein. Je dois me lever tôt demain pour faire une montagne, hein. Ah, oh, j'aime pas, putain, elle est dégueulasse, ma montagne, en vrai. Soyons honnêtes, deux minutes. Putain, elle est à chier. Waouh, elle me dégoûte. C'est bien d'avoir un œil critique face à ses propres travaux. On dirait vraiment que c'est pas la nature qui l'a faite, mais un teubé. Je sais ce que vous allez me dire. T'es trop dur avec toi-même, elle est super. Mais bon, je suis comme ça, perfectionniste. Que voulez-vous? T'as fini là, ta montagne ou pas? Mais pas du tout. Non, mais c'est très long. Ah non, mais jamais. Non, alors là, jamais de la vie, pas maintenant. Dis quand, jamais de la vie. Alors là, non. Non, mais c'est là, pas possible quand tu mets autant de temps. Non, mais ça va partir sur, je sais pas, 3-4 streams là. Non, mais attends, bah, juste. Comment ça se fait que là t'as toujours pas terminé? Oh, je l'ai élargi! Merde! Oh putain! Bon, ça a l'air d'être. Qu'est-ce que t'as fait en haut là? Il y a un arbre qui est en train de dépop.
saoule. Mais bordel de merde. Mais j'étais en train de bosser, il y a un putain d'arbre qui arrive aussi. Bah il est pas arrivé tout seul. Si, t'as planté une graine, je suis sûr. Ta montagne est irréaliste, car le bas d'une montagne est constitué à 40% de pierre. Et pour le sommet, il faudrait de la neige et aussi pour donner de la couleur un peu de granit. Ne serait pas de refus. Quel connard. Ah le giga connard. On peut construire une ferme à bois. Ouais, j'ai vu un truc comme ça sur YouTube. C'était avec Pierre aussi qui l'avait fait, avec de la redstone. Ouais, c'était avec Pierre, j'étais trop impressionné. Il avait plus du tout de besoin en bois, tu vois. C'était vraiment... Puisque du coup, il avait fait une ferme à bois. Ah ouais, c'était très impressionnant. Et il y a une ferme à bois sur l'île au chocolat et des aventures de Sifano. Non, tu sais, je crois qu'il joue en créatif, non. Ah, quoique. Non, je sais pas comment ça se passe. Je souviens pas mes 10 ans. Ça doit crafter sec. Le mec il essaie d'être jeune et cool. Alors man, ça crafte sec. Alors ça crafte quoi en ce moment? Ça enchante des trucs. Tu es pas en manque de wab? Tu veux que je te fasse une ferme à wab ou quoi? Je ne manquerai plus jamais de bois. Et à partir de ce jour-là, on ne manqua plus jamais de bois. Quand j'étais petit, je mangeais pas à ma faim. Parfois, ça m'arrivait de pas pouvoir manger pendant 2 semaines. Et un jour, je me suis dit que plus jamais je mangerais du bois. Cette histoire. Et du coup, j'ai fait une ferme à bois. C'est une belle histoire. Hey, je vois que tu t'essayes un peu à la création de montagne. Alors, tu kiffes? Je peux te donner quelques conseils si tu veux. Franchement, ça va, tu te débrouilles pas mal en plus, hein. Cool, man. Eh ben, c'est bon. Ma montagne, elle est fonctionnelle, on va dire. Ouais, c'est tellement mieux. Là, on dirait une vraie maison. Voilà. Ta montagne, elle est bien pointue, en tout cas. Ouais, non, c'est une pyramide, c'est même pas une montagne. Je pourrais partir à l'aventure. Je prends juste mon bateau, moi. Allez. Oh là là, faut faire une ferme, hein. En attendant, on fera un élevage, on tuera nos propres animaux. Ah ouais, dès qu'ils feront un bébé, paf, tu crèves. Ouais, tu bouffes le veau, là. Comme ça, la mère, elle pleure. Putain. De saloperie, putain d'animal. Pardon. Il y a un mec dans le chat qui a marqué 6 genres de merde. 3 petits points. J'ai pas compris. Il parle de nous. Je sais pas. 6 genres de tous les 6 genres qui tuent des veaux de merde. 6 genres de merde. Espèce de blanc de merde. Blanc de merde. Putain, maintenant, à chaque fois que je vois des montagnes, je suis en mode. Wow. Alors, c'est ça, trop une vraie montagne. T'es vraiment un sale comment mal. Putain, à jamais reconnaître ton chemin là, putain. Ah, la maison, putain. Quelle maison de merde. Bah, franchement, elle a plus de gueule. Ouais, tu vois, je préfère celle-ci, je propose qu'on abandonne l'autre. Viens, on arrête. Je t'ai vu, hein. C'est quoi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. 6 de merde. Ah, 6 de merde. Putain, quand j'ai vu ma montagne là, je l'ai vue et je me suis dit, putain, voilà, enfin une belle montagne. De tout le trajet, j'en ai pas vu. Mais là. Là, elle est belle. Ouais, ouais. Voilà. Oui, oui, ça se voit. Ça, c'est une belle montagne. Putain, ça fait du bien de... De toute façon, une belle montagne. Quel goût. Mais quel goût. J'ai tout vu. Mais mon incroyable très, habitation. Très, très déçu par ce que je viens de voir. C'est dégueulasse d'exploser les gens comme ça. Alors, j'ai envie de faire une poubelle avec de la lave, mais j'ai peur que la maison prenne feu. Bon, je vais prendre le risque de faire une poubelle. Ok, à plus la maison. J'ai bien envie d'aller miner, moi. On peut. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir laissé ma lave ici. C'est un pari intéressant. Oh ! Aborde, Michette. Ok, bon, bah au moins, on est fixé. Attends, attends, ça brûle en haut. Ça... Oh ! Excellent. La fameuse poubelle à lave. Faites-vous une mine optimisée. Mais sa mine, elle est même pas optimisée. C'est pas compliqué, c'est dans le tuto d'Aïe Pierre. Putain, on aurait le passé à l'école, tiens. On ne saurait faire une mine optimisée. Ça fait 15 ans que j'ai pas joué à Minecraft, même moi je le sais. Là, je me demande, dans la deuxième VOD, ce que je vais prendre dans la gueule. À mon avis, d'ailleurs, des pros des montagnes. Mais elle est trop pointue. Et trop pointue. Tout le monde devrait savoir faire une montagne. Moi, si je t'insulte, c'est pour t'aider, c'est pour que tu progresses, fils de pute. Putain, mais il manquerait pas de me faire tomber dans la lave, ces cons-là, à me tirer dessus. Oh, bah c'est bingo, ça. Oh, puis ça s'arrête jamais, c'est un énorme filon. Oh là là là, j'ai un filon de malade. Oh, tu devrais voir mon filon, il est énorme. Oh, on a pris l'apéro à la boule avec Charles. Voilà, il y avait un filon. Bah j'ai 6 diamants, 6 diams. Waouh. Man. Dommage que c'était vraiment juste à côté de nous, hein. Ouais, t'es passé à côté. T'as pu le voir, hein. Marrant, ça. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Je pense que le karma, il aurait pu m'enculer. Bah, j'étais en train de noyer sous du gravier. Parfait. Bon, je faisais plus un bruit. Je me disais juste, faut pas que je meure, sinon l'autre, il va se foutre de ma gueule pendant 3 heures. Je me serais foutu de ta gueule. Putain de gravier de merde. Bah alors, on se noie. Ah, bah parfois, la chance, ça tourne, hein.
Thomas, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Genre, je me suis dit, allez Damien, creuse une galerie. Et peut-être qu'avec un peu de chance, tu tomberas sur du diamant. C'est scandaleux. Ça a duré approximativement 5 secondes. Mais ça se trouve, t'es déjà tombé devant du diamant. C'est juste que ça fait tellement longtemps que t'en as pas creusé que tu t'as oublié à quoi ça ressemblait. Je vais m'énerver en fait. Je vais péter un boulard. Je crois que si tu veux pas que je te pète la gueule, ça. Mec, il faut que tu arrêtes. Si tu me parles comme ça, je te jure que là je me maîtrise, mais bon, moi quand je m'énerve, c'est. Je peux pas te garantir que ça dure longtemps, quoi, mec. Non. Mais ça me saoule, j'ai envie de me barrer, de créer une autre grotte là. Bon, je vais rien te dire parce que sinon tu risques de t'énerver. Seulement en termes de secondes, c'est pas normal. Bon, je vais me coucher, moi, c'est pas possible. Je sens qu'en fait, tu partiras pas tant que t'auras pas trouvé du diamant. Bon, je te donne 5 minutes pour trouver du diamant. Fais demi-tour, il y a plein d'autres grottes. Non, je veux créer mon histoire, être un self-made man avec ma self-made grotte. Tu pourrais créer un compte Instagram et devenir un self-made man. Ça, c'est moi et ma grotte. Je l'ai créé. Et oui, vous aussi, vous pouvez le faire. Diamant. Bien quoi? Oh, je l'avais pas vu. Enfin, du diamant. Wow. Et à 2 minutes de la fin, il a réussi à trouver. Heureusement, je l'aurais vu du coup, mais. Eh, tu m'as mis la pression et paf, du diamant. Incroyable. Ouais, non, il y en a combien? Eh ben voilà, c'est fini, fils de pute de lin, que t'en auras pas plus. Aïe, mais putain, allez! Il fait des 360 noscopes, mon squelette! Oh, mec, graine de betterave, qu'est-ce que tu dis de ça? Bah, ouais, non, mais let's go là! Je veux qu'on fasse tous les genres de nourriture. Espèce tout. De. Fils de pute de cisgenre. Oh putain! J'entends des vaches. Ah! Eh bah, vous tombez bien, j'avais besoin de cuir! Hop, dans le cul! Ça te fait marrer la souffrance animale? Cisgenre de merde. Oh, bah putain! Ça ne convient pas. C'est atroce. Ok. C'est trop glauque si on dort avec ça au-dessus. Allez, nickel. Je garde ça. Oh, oh c'est chaud. Il est horrible, ça. C'est pas beau. Et ben voilà. Merci à tous. Même si pour la plupart, vous êtes une bande d'enculés de scie.